le mémorial des trois saints. Avec une puissante ferronnerie froide et roide, pure et dure, avec trois brillances d'acier dans le noir, du brouillard, de la nuit. Le Nacht und Nebel des camps de la mort. Un calice, une Bible, un chandelier. Un prêtre, un ménonite, un juif. Une hache, une corde, une pomme à gaz. Trois hommes exécutés en haine de la foi, de la patrie, de la race. Ni Maximilien Kolb, ni Dietrich Bonhoeffer, mais trois hommes de chez nous, inconnus. Georges Meyer, prêtre, vrai fils de Walsh, patriote trop pur, déplacé et déporté, décapité à la hache à Berlin en 1944, proclamant encore la tête sur le bio, Laudetur Jesus Christus. Henri Mosiman, ménonite, enfant de Niederhof, ferme de la Neuve Grange, sur la Sarre Blanche, hospitalier et généreux, comme tous les anabaptistes, surnommé bête à bon Dieu, passeur de plus de 800 Lorrains réfractaires et prisonniers évadés, torturé à mort et pendu dans la prison de Sarrebourg en 1942, sans avoir trahi les siens. Moïse Perkalovitch, juif, enfant de Sarrebourg, le plus pieux de la synagogue et le plus honnête des commerçants, le vrai fils d'Israël qui ne sait pas mentir, marchand de chaussures, expulsé et déporté, gazé à Auschwitz en 1944. Trois hommes d'Holocauste qui n'ont eu d'autre gloire que celle du paradis. Trois saints aussi différents. Vrai et saint œcuménisme, dans les bras d'un même père, ensemble dans le sein des saints. Thank you.
Thank you.